Malgré la fin de son règne de Miss France, Diane Ler aimerait beaucoup avoir la chance de représenter l'Hexagone à l'élection de Miss Univers. Mais Indira Ampio, Miss France 2023, est prioritaire, comme elle l'a rappelé sur Instagram ce 31 décembre. L'aventure Miss France est officiellement terminée pour Diane Ler depuis le 17 décembre 2022. Après un an à représenter l'Hexagone, Miss France 2022 a donné à Indira Ampio la couronne de Miss France 2023. Mais ne comptez pas sur l'ancienne protégée de Sylvie Tellier pour disparaître des radars. Dès la rentrée 2023, Diane Ler va reprendre sa place dans le Morning sans filtre avec Guillaume Janton. Elle a également plusieurs projets sur le feu, qu'elle compte bien réaliser dans les mois à venir. En attendant, l'éternelle Miss Île-de-France prend plaisir de sa tranquillité retrouvée et n'hésite pas à discuter avec ses abonnés sur Instagram. En bonne Miss Catastrophe, Diane Ler a dévoilé il y a quelques jours avoir été victime d'une attaque de chauve-souris pendant un séjour en Guyane avec Alexia Laroche-Joubert. Une mésaventure qui s'est soldée par une dent cassée. C'est donc avec moins de blessures mais autant d'aventures que Diane Ler compte embrasser 2023. Et ce 31 décembre 2022, l'ancienne Miss France a de nouveau discuté avec ses abonnés sur Instagram et a dévoilé ce qu'elle fait de ses journées depuis la fin de son règne. Je dors, je mange, je sors, je redors et je profite de mes proches. Voilà. Donc un rythme plutôt sympathique, on ne va pas se mentir, c'est amuser la jolie brune. Diane Ler, bientôt à Miss Univers? Diane Ler a ensuite dévoilé son avenir dans les concours de beauté. Car si elle a renoncé à l'élection de Miss Univers 2022, elle aimerait beaucoup avoir la chance de représenter la France dans une prochaine élection. Mais Indira Ampio est prioritaire. J'espère qu'on me laissera ma chance de pouvoir vous représenter. Vous savez que ça a toujours été un de mes rêves. Vous savez à quel point ça a été difficile pour moi cette année de vous annoncer que je ne participerai pas. J'espère avoir ma chance. Évidemment, Indira est une priorité et si elle peut y aller on la soutiendra à fond. Maintenant, si son calendrier faisait qu'elle ne pouvait y aller, je serais évidemment prête à relever le défi. Je me préparerai cette année quoi qu'il arrive. De toute manière, me préparer de manière sportive ce sera fait pour Miss Univers ou non, parce que j'en ai besoin pour moi. Mais effectivement, si on fait appel à moi je répondrai de suite présente. Ça c'est sûr, a promis Diane Ler. Miss France un jour, Miss France toujours.